On peut passer au petit jeu. Au petit jeu. Au grand jeu, peut-être, je ne sais pas. Un petit jeu, mais tu sais, des fois, quand t'écris et tu t'arrêtes pas. Hein, c'est donc ce genre de jeu. Ok. Ouais, bah, en fait, du coup, il y a une trame narrative, mais ah, voilà. Okay. C'est... Ah, trop bien. Donc, imaginons un instant que les plus grands génies libertariens de la tech, hein, que vous adorez, auraient financé la mise au point d'une machine à remonter le temps. Avant que tout ce qui est Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk et tous les milliardaires du monde n'en profitent pour faire du tourisme temporel, il y a une grande loterie qui a été organisée pour la plèbe, afin que les heureux cobayes élus s'estiment incroyablement chanceux de pouvoir tester un divertissement qui, s'il est sûr, sera bientôt le monopole des plus riches. Et félicitations ce soir! C'est nous! C'est vous! Waouh! Trop cool! J'ai toujours rêvé. Ça. Donc, placé dans la machine, vous êtes envoyé sans ménagement dans une époque et un lieu défini arbitrairement. Allez, on va dire au hasard, les anti-françaises du milieu du 17ème. Oh, bah, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Moi, tant mieux, me diriez-vous. J'ai une question, est-ce qu'on nous a affirmé lors de l'entraînement que tout ce qu'on ferait là-bas n'aurait aucune conséquence sur le futur? Ouais. Okay. Ouais, on va dire ça. Ok. Cool. Et heureusement, parce que du coup, voilà, vous avez bien suivi mes petites chroniques, donc vous savez que, bah, par exemple, quand on va vous servir de l'alcool, acceptez que le vin, le reste, oui, le reste faites ouf. Attention. Le fameux punch avec le pain dedans, ouais. On s'en souvient. Non, je n'ai pas entendu ça, moi. Ah, allez écouter mais, toutes les chroniques de Nico, allez les écouter, c'est en description. Ah, puis il y en a plein que j'ai écouté, je me souviens plus des détails comme ça, genre ça, c'est des détails de fou. Et quoi. Moi, je les ai montés, oh. Du coup, ça reste. Putain, il a vraiment fait la formation IRL, Marc. La recette du punch, moi, il faut vraiment que tu l'écoutes, Jules, je pense que ça te plaira. Ça okay. Pourra te donner des idées. Du coup, vous avez vraisemblablement atterri dans la cabine d'un navire. Encore au sol et étourdi par le trajet dans le passé, vous n'avez pas le temps de réagir lorsqu'un groupe de personnes s'approche de vous. L'homme à leur tête, élégamment vêtu, ouvre de grands yeux de surprise en vous voyant. Dans un excès de prudence, il a d'abord la main sur la poignée de sa rapière, avant de se raviser en voyant votre piètre état. Tudieu ! Agarrez ceux-là et leurs cotillons ! S'écrie-t-il avec un tel accent que vous avez du mal à le comprendre. J'en suis tout ébobi, souffrez que je vous aide tout à l'heure, vous propose-t-il en vous aidant aussitôt à vous relever. Même si vos interlocuteurs sont français, la conversation est beaucoup plus difficile que prévu. Et en effet, vous n'avez jamais entendu des personnes parler avec cet accent qui vous rappelle davantage le fin fond de la campagne québécoise plutôt que les représentations des pièces de Racine ou de Molière de votre époque. Et ironiquement, avec votre français des années 2020, vous passez aussi probablement pour des voyageurs venant d'un obscur arrière-pays. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à vous entendre. Ces gentilshommes s'avèrent être des flibustiers et heureusement que Marc est ici. Puisqu'en mentionnant son nom, qui n'est pas sans rappeler le célèbre capitaine Charles Fleury, ouais. Vos hôtes vous accueillent chaleureusement. C'est son petit neveu. Cette intro étant déjà beaucoup trop longue, vu la faible prétention de ma chronique, il est temps de plonger dans le vif du sujet qui, vous l'aurez compris, sûrement va parler de linguistique. Et comme je suis pas vraiment expert en la matière et que j'ai pas trop envie de lire de la grande littérature française de ce siècle, en fait j'ai utilisé trois sources. Une édition de 2013 de la relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales de l'anonyme de Carpentras, qui a été rédigée dans les années 1620. Une édition de 1999 du dictionnaire caraïbe français du père catholique Raymond Breton, qui est paru pour la première fois en 1665, et le livre Talking Taino des archéologues William Keegan et Elisabeth Carlson, qui est paru en 2009. Donc le but, ça va être de suivre vos propres aventures en essayant de comprendre correctement des termes et expressions françaises de l'époque. Génial. Vous marquez des points bonus si vous arrivez à trouver une origine autochtone à certains mots en usage. Le concept est ouf. Et c'est incroyable. Mais t'as pondu ça cet après-midi là? Non, j'ai commencé lundi. Ah ok. Là-dessus, je vais me battre. C'est un jeu de rôle. Avant de commencer. T'es incroyable, Nico. T'es incroyable. Donc un petit aparté avant de commencer, je vais pas trop le placer. Donc les langues autochtones mésoaméricaines d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du Sud des États-Unis sont parvenues jusqu'à nous via les transcriptions espagnoles du 16e siècle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms qui utilisent une graphie particulière. Pensez par exemple à la lettre X qu'on retrouve assez souvent. Et bien en fait le X à l'époque ne se prononce pas comme de nos jours en français. Il produit un son entre le SH et le J, un peu comme dans la langue basque actuelle. Ainsi la cité maya de Uxmal se prononce Uxmal. De même le CH se prononce TCH, donc la capitale aztèque, Tenochtitlan, se dit donc Tenochtitlan. Le J se prononce DJ, le GUA
ou A, le C comme un S ou un K selon le contexte, et le QUE se prononce aussi soit K, soit QUE. En fait, ça va dépendre des situations. Donc il y a beaucoup de langues qui ont été répertoriées de cette manière, qui doivent être appréhendées avec les règles phonétiques de l'espagnol du XVIe siècle pour être prononcées le plus fidèlement possible. Mais après, si vous avez du mal à prononcer correctement, bah c'est tout à fait normal, vu qu'on parle de graphies qui n'ont pas évolué depuis plus de 400 ans, contrairement au langage courant. Et une exception notable qui se trouve dans certaines langues du Canada, ou encore la langue tekalinago parlée dans les Petites Antilles. Parce qu'ici, c'est la transcription qui vient du français du XVIIe siècle, donc avec son lot de règles à prendre notamment en compte, donc la présence d'accents, de trémas, des Y, des E écrits EU, voilà, donc plein de trucs qui se prononcent un peu comme en français. Donc nous, ça nous pose pas vraiment de problème, mais ça peut être très compliqué, par exemple, pour nos voisins anglo-saxons. À noter une petite particularité, le OI, qu'on prononce OUA normalement, a tendance à se prononcer au XVIIe siècle ouais, et s'écrit parfois O, E, accent tréma. Donc on le retrouve par exemple dans la boîte, qui veut dire la boîte, d'ailleurs, qui s'écrit B-O-E tréma de T-E, en fait. Ou encore le roi, qui est parfois prononcé et écrit rouet. Bref, revenons à vous. Sur le pont du navire règne une grande agitation. L'équipage est clairement en sous-effectif et vous devez mettre la main à la pâte. Le capitaine ordonne alors d'aider à guinder les voiles. Qu'est-ce que vous faites ? À guinder les voiles ? Est-ce que guinder les voiles ? Guinder ? Guinder les voiles. Est-ce oui, que... oui, oui, bah on va les... On va les guinder, quoi. Ouais, on Est-ce va... Que... ça, j'ai une question. Il nous demande de guinder les voiles, mais dans quel état sont les voiles de base ? Ah non, 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 ce n'est pas un jeu de rôle. Pour qu'on sache, déjà. Non, mais guinder les voiles, ça veut dire les... Pour moi, c'est les tendre. Les tendre, ouais. Ouais, forcément. Les tendre. Un truc qui est guindé, c'est un truc qui est tendu. Bah ouais. Tout à fait. Vous marquez un point. Yes. Guinder les voiles. On joue en équipe, du coup ? Ouais. On est tous les deux contre le MJ. Sur le pont, l'équipage s'active à diverses tâches. Parmi les caisses et le matériel à bord, vous remarquez des cageots contenant des poules vivantes. Le quartier maître du navire constate votre intérêt et vous dit alors de vous éplucher les poules. Qu'est-ce que vous faites ? Bah on va les plumer, j'imagine. Ouais. Comme on éplucherait une patate. Il nous dit de nous. Il a dit de nous. Oui, c'est ça. De nous. C'est ça. L'expression est s'éplucher les poules. Attends, c'est pas par rapport aux poules. C'est pas par rapport aux poules, c'est par rapport à soi. Non. Ouais, c'est par rapport à nous, c'est sûr. Tu sais, on brainstorm tout de suite, tu sais, on se cache comme ça, genre, attends, mais du coup, alors, il a dit nous. Raconte, putain, merde, on dit attends. Elon nous avait pas prévenu. Merde, il nous avait rien dit. il aurait pu mettre genre 10 balles de plus pour un dico, tu vois, genre. se guinder les. Attends, non, se guinder les poules, pas du tout ça. S'éplucher les poules. S'éplucher les poules. T'allais dire s'éplucher les ploucs. Parfait. S'éplucher les poules. En vrai, le plus logique, ce serait les plumer, hein, mais. Ouais, mais ça se trouve, c'est genre se laver, tu vois. Se laver soi Ouais, genre. Parce qu'après, il nous a quand même dit une phrase en rapport avec les poules, donc. Il nous a pointé les poules du doigt quand il a dit ça. En fait, on est en train de regarder les poules, et du coup, il nous dit Vindieu, ouais. Tu veux s'éplucher les poules, quoi. Voilà, profitez-en pour vous éplucher les poules, quoi. Profitez-en pour vous éplucher les poules. Ouais, genre, il y a beaucoup de choses à faire sur le bateau. Ah, se dépêcher, faire un truc. On fout rien, on regarde des poules à la con et ça l'agace. Donc potentiellement, il nous dit de se bouger le cul, quoi, en fait. Ouais, ou alors c'est l'inverse. Genre, s'éplucher les poules, ça veut dire ne rien branler. Oui, ça veut dire ne rien branler, je pense. Ouais. On est en train de s'éplucher les poules. On branle rien. T'es là-dessus ? T'es pas d'accord, Jules. Bah non, mais c'est juste, de toute façon, on y va. Qui t'a passé pour des cons ? De toute façon, ils sont plusieurs sur l'équipage, donc on arrivera à... Bah je pense que ça veut dire on branle rien. Malheureusement, du coup, on lui dit qu'on va faire des trucs, du coup. Faites des trucs. Okay. Bah on s'active. Le maître est assez... vous rattrape et insiste pour qu'en fait, vous occupiez des poules pour les nettoyer, débarrasser leurs plumes de la saleté. Ah putain, c'est nettoyer les poules, du coup. Ah, j'aurais adoré, c'est le mec, vous pouvez nettoyer les poules, et le mec il s'arrête, il commence à plumer les poules, et là on tend le cou, genre clac. Mais qu'est-ce que vous faites? On aura plus d'eau sur le bateau, bande de con. Dans l'équipage, certains murmurent en ricanant sur votre passage que vous êtes comme Jean de Vigne. Que signifie cette expression? On est un peu simplé? Ouais, je pense. On est un peu couillon, quoi, ouais, je pense. Moi, je le vois comme ça. Ça doit être un personnage. C'est un personnage de théâtre historique. Un peu débile, je pense. C'est comme, C'est comme Simple Jack, tu vois. C'est le Simple Jack du 16e siècle. Ouais. C'est exactement ça. Bravo! Ouais.
Trop bien. Un genre de Vince, c'est quelqu'un un peu bête, un peu sot. Et c'est pareil, c'est un personnage populaire du coup de la campagne, Jean de Vigne. Donc le capitaine revient vers vous, sans doute rassuré par l'air docte que vous donnent vos lunettes. Il vous dit sur le ton de la confidence qu'il faudrait se dépêcher de gagner la côte, parce qu'il vient d'apercevoir des puchots à l'horizon. Sans longue vue et le regard mal entraîné, vous devez vous contenter d'interpréter ce qu'il dit. Que comprenez-vous ? Il a dit qu'il faut rejoindre la côte rapidement parce qu'il voit des puchots. P-U-C-H-O. C'est peut-être des oiseaux, genre il les voit et du coup il se dit que les côtes est pas loin, tu vois. Non, il faut se dépêcher d'aller rejoindre les côtes, donc c'est vrai que c'est un danger, donc je dirais une tempête. Une tempête ou des pirates, un truc comme ça. Bah du coup, il a dû voir soit des vagues, soit des nuages. C'est ça, donc peut-être des vagues scélérates, peut-être. En même temps, la scélérate, tu la vois pas avant qu'elle soit là, donc puisqu'elle est scélérate. Ouais, mais il serait peut-être un peu plus flippé que ça, quoi. Peut-être juste le vent, la mer qui se lève, peut-être le vent qui se lève. On peut pas faire de jet d'analyse de toute façon pour voir si dans quel état d'esprit il est, donc ouais, peut-être plus des nuages en vrai. Ah, moi, je dirais des gros nuages, tu vois. Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Des gros nuages. On va regarder les gros nuages. Et oubliez pas de dire hein, si jamais vous sentez qu'il y a une origine un peu autochtone derrière un mot. Oui, c'est vrai, putain. Donc vous partez sur des gros nuages. Ouais. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah merde, c'est quoi? Alors, c'est un peu délicat. En fait, c'est des tourbillons de vent qui remontent dans la mer. C'est un espèce de maelstrom. Ah, mais ça va, du coup. C'est ça. C'est un peu comme. Alors, je sais même pas. Je sais même pas comment ça s'appelle. Le maelstrom. C'est une tornade sur l'eau. C'est ça qui aspire l'eau, ouais. Mais c'est pas un truc dans. C'est pas un siphon. C'est. Non. Ok, donc c'est une tornade. C'est un cyclone. Oui, donc ça. Ça va, du coup, on passe pas trop pour des cons, parce qu'il nous a dit ça, on a regardé le ciel, du coup. Oui, on passe pas pour des cons, mais on sait pas ce qu'il veut dire. Non. Et cyclone, et comment ça s'appelle dans cette région du monde, les cyclones? Les ouragans? Exactement. Les ouragans. Pourquoi? Ah putain, c'est pas un dieu maya? Ah ouais? Ouraganos. C'est pas vraiment un dieu maya, en fait, c'est un mot taino, donc qui vient de Pagnola. Et pareil, c'est associé à des divinités, donc au final, c'est pas très très loin. Ok. On va un point bonus, allez. Oh, merci. Ce qui est assez marrant, parce que Ouraganos, ça fait penser beaucoup à Uranos, qui est grec et qui veut dire la même chose. Pendant longtemps, en fait, on a cru ça. Et c'est juste qu'en revenant sur l'origine. Ah, parce que du coup, je sais plus ce que c'est le mot original de ouragan, je l'ai même pas noté. Mais je vais pouvoir le retrouver dans des bouquins. Bon, c'est pas tout à fait ouragan, c'est ouraka, machin, truc. Voilà. Je vais pas m'avancer plus. Donc, après plusieurs heures en mer. Donc, le vent redouble d'intensité et on vous demande rapidement de brouiller les voiles. Qu'est-ce que vous faites? On l'a entendu tout à l'heure, donc on les réduit. Oui, il faut les abattre. Ouais, faut les réduire, réduire la voile. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Ok, vous êtes pas mal en vocabulaire. Non, franchement, on aurait pu survivre. Franchement, tu sais, on se regarde, on se check. Ouais. Ils comprennent pas le geste d'ailleurs, du coup. Ils comprennent pas. Ils se disent. Pourquoi ils se frappent? Regarde chelou. Ils sont cons, vraiment. C'est puis en plus, on fait un check vraiment nul. Genre, on fait tac, tac, après on se retourne, on se donne un coup de cul. Donc après plusieurs heures en mer, le capitaine revient vous voir, il a l'air ravi. Il vous annonce qu'ayant évité une fortune de vent, vous n'aurez droit qu'à un brasin. Donc à quoi vous devez vous attendre? Un brasin, c'est un petit vent. Ah, tu crois que c'est par rapport au vent? Ah, moi j'avais l'impression qu'il nous disait vous avez bien bossé, vous aurez une petite récompense. Mais il a dit qu'à un brasin, donc c'est pas super super fun. Ouais, mais genre si un brasin, tu vois, genre je sais pas, moi si... Ah, genre c'est genre une genre obole, un tu vois. Une, ouais, un truc comme ça. Ah ouais, peut-être c'est du fric alors? Ouais, mais non, le regard de Nico me fait dire que pas du tout, mais... Pour moi, c'est un petit vent. Alors le brasin, il a soufflé à doucement cette nuit, tu vois, un truc comme ça. T'es pas loin. Avec l'accent, franchement, de ouf. De ouf. Alors, pas tout à fait un vent, en fait, c'est un synonyme de bruine, donc une pluie très fine. Mais il y a une idée quand même. Okay. Dans ces circonstances... Avec un petit accent marseillais, ça passe... Tu vois ce que ça veut dire après. Ouais. Vous approchez tranquillement de la terre. L'une des préoccupations de l'équipage, c'est apparemment le manque de nourriture. Donc la priorité sera donnée au ravitaillement. Une embarcation légère est mise à l'eau et l'on vous demande avec d'autres de nager le canot. Qu'est-ce que vous faites? Attends, là du coup ils mettent une embarcation à l'eau? Ils nous demandent de nager le canot. Bah d'aller dedans et de le... Bah de faire la rame, quoi. Bah ouais, de chaloupé. Ouais. Tout à fait. Et canot, c'est un mot natif. Exactement. Mais tout à fait. Ça vient du Taino, pareil, des grandes Antilles, Canoa, ou du Kalinago, Kanawa, qui a donné les mots français canot et canoë. Ça me marque de nous deux, t'es le seul en fait à avoir révisé avant de prendre la machine. J'ai vraiment toutes les chroniques de Nico. Il en parle, non? Moi, je suis venu dans cette machine en mode ouais vacances. Oui, historiquement parlant, c'est vrai que c'est mais oui. Savais-tu, Jules, que canot est en réalité un mot taïno? Et regarde, là-bas, il bouffe ses crottes
donné. Donc une fois arrivé, tout le monde est mis à contribution pour chasser, pêcher, récolter et cuisiner. Sur la plage, il y a un marin expérimenté qui vous conseille d'éviter les brelingues de mer qui prennent du temps à ramasser et qui ne sont pas si nourrissantes. Mais de quoi parle-t-il ? Les brelingues de mer, ouais. C'est chiant à ramasser, c'est pas nourrissant. Les tortues ? C'est facile à ramasser une tortue. Bah ouais, c'est facile. Hein. Non, ça doit être un truc, tu sais, sous l'eau qui s'accroche. Ouais. Crabe en crustacé, ouais. Ouais, 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 t'as raison. Ça doit être un truc qui bouge parce qu'un truc accroché au rocher, au final. Ouais, c'est facile à choper. Après, ça peut être chiant. Bah ouais, une plage, là, vous pouvez débarquer sur une plage. Ah, des mouettes, des têtes des mouettes ? Non, des brelingues de mer. Ah. Des brelingues ? Attends, non, mais juste. Ça veut dire quoi, brelin ? Brelingue, tu vois. Bah, est-ce que ça veut dire branlant qui bouge, tu vois ? Un truc qui est rapide ? Une anguille ? Vous avez fait tout ce chemin pour une anguille ? Personne avec Caradoc, quoi. Le serpent du lac de l'ombre. Je sèche, hein, une brelingue de mer. Jules, t'as pas d'idée ? Tu pars sur l'anguille ? Tu pars dans l'idée pour éviter les anguilles. Non, mais pour prendre un truc sur la mer, sur une brelingue de mer. Moi, ouais, pour moi, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, bah, c'est la mer, donc forcément, c'est dans l'eau. C'est nourrissant. Pour moi, c'est dans l'eau, ouais, c'est. Ça peut pas être un crabe. Un crabe, c'est cool. Ça pourrait être un crabe. Ah ouais, il y a pas quand même. Une araignée, par rapport à la taille, une araignée de mer. Il y a des araignées de mer là-bas, peut-être. Ouais, mais pareil, t'as de la chair là-dedans. Ça les fait chier à l'époque. Très. Très basique. Un concombre de mer. Moi, je donne ma langue au chat là, j'y arrive pas. Je fais un de la tête et je vais avec les autres. Ouais, le brelingue, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. En fait, c'est juste des coquillages, les coquillages ronds qui ressemblent à des brelingues, c'est-à-dire des petites pièces de monnaie. Ah, donc c'est des crustacés. Putain. Putain, on avait raison au début, dommage. Mais c'est à la fois très précis et pas du tout précis, parce qu'en fait, on n'a aucune idée de quelle espèce de coquillage c'est juste, ça ressemble à des petites pièces de monnaie. Okay. Un groupe armé de mousquets vous propose alors de longer la côte, puis de vous enfoncer à l'intérieur des terres pour giboyer. Qu'est-ce que ça signifie ? Chasser ? Ouais. Ouais. Putain, on l'a dit ensemble. Il y a un peu de gibier dedans. Donc ouais, j'aime beaucoup ce mot gibier, ouais. C'est très joli. Ouais, c'est glace. Je le ressortirai en hiver. L'œil aux aguets, montre des oiseaux, notamment des poules d'Inde, des grands gosiers, des pailles en cul et des manses phénix. Ah, c'est des Qu'est-ce Pokémon que vous voyez. On va trouver les quatre. Alors, des poules d'Inde, des grands gosiers, des pailles en cul et des manses phénix. Et poules d'Inde, ça peut être des dindons. Ouais, ok, ça okay. se tient. Grand gosier, un truc avec un grand. Ah, mais ça peut être un dindon aussi, merde. Non, mais un pélican. Un pélican. Exactement. Ok, yes, donc on a le dindon, yes. Dindon là, du coup. Ouais. Ouais, donc dindon, pélican. Il y a le poil au cul aussi. Paille en cul. Paille en cul. Le paille en cul. Plus compliqué parce que je crois qu'on en a pas dans nos régions. Putain, mais attends, ça doit être un oiseau qui a une queue genre super verticale, ouais, tu vois, genre comme ça, ouais. Ouais. Mais je crois que je vois à quoi il ressemble en vrai, mais je sais pas comment il s'appelle. Vous l'avez, c'est juste le nom, oui, c'est pas évident, c'est un phaéton. Un phaéton, ok. Okay. Et le dernier, c'est quoi ? Et les manses phénix. Manses phénix, c'est génial. Mais un c'est perroquet. Incroyable. Ah ouais, pas con. C'est un truc avec des couleurs vives. Des couleurs vives. C'est phénix. Ouais. Avec plein de plumes. Un toucan ? Non, c'est trop, trop dans le sud, le toucan, peut-être. Ouais. C'est trop en Amérique du Sud, je pense, le toucan. Allez, dernière proposition, on passe à la suite. Perroquet, c'est pas ça, t'as dit, hein, c'est ça ? Et alors, oui, dans perroquet, je mets des haras, hein, je sais pas si on peut tricher. Ouais, tu peux dire oui, perroquet. Bah, de toute façon, à l'époque, la question des animaux, ouais. c'est assez sommaire, ouais. Le manse phénix, là, j'avoue, je sèche. Ça se mange, du coup ? Alors non, un manse phénix, ça ne se mange pas. Mais c'est joli. Ouais, c'est assez joli. Et on en a dans nos régions. Ah, on en a ? Ouais ! Mais je vous ai dit, la classification, elle est assez relative. C'est des mouettes. Manche phénix. Un manse phénix. M-A-N-S. Ah. Phénix, comme un. Donc c'est un oiseau qui est dans la ville du Mans. Voilà. Un phénix du Mans. Le fameux phénix du Mans. Non, je sais pas. Bah, bien sûr. J'en sais rien. Non. Oh. Vous l'avez pas ? Non. Un épervier, c'est un rapace. Oui ! C'est ça. Waouh ! C'est exact. Mais waouh ! C'est putain, bien wesh ! Ça a vraiment fait comme dans ma tête, comme ça. Des Milan, des éperviers. Mais comment t'as fait le lien ? C'est quoi ? C'est le. En fait, je me suis dit, ça va être un oiseau ultra classe. Et je me suis dit, depuis tout à l'heure, on sort des trucs nuls à chier. Donc, sort un rapace. Vrai. Et du coup, j'ai dit épervier et voilà. Et en alors, fait, par contre, pour n'importe quel petit oiseau de proie. Ok. Nicolas, par contre, tu sais que tu viens de me donner 4 nouveaux noms. Ah bah là, c'est dans les parties de. On a hâte. Regarde, un paille au cul. Sais-tu qu'il y en a dans nos régions ? Savais-tu au bon saphir qu'il y en avait dans nos régions ? Mais tu savais qu'on trouvait souvent cet épervier dans la ville du Mans ? Épervier du Mans. Donc les chasseurs vous disent de ne pas vous éloigner d'eux une fois dans la forêt, au risque de tomber nez à nez avec un tigre. Mais sacre bleu, vous êtes en Amérique ! De quoi parlent ces chasseurs ?
Putain, jaguar. Ouais, ouais. Après, on est sur une île, non? Oui, la classification est large. Donc, un gros félin. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Donc, okay. Au XVIIIe siècle, on l'appelle tigre d'Amérique et de nos jours, c'est le jaguar. Ok. Et en fait, tigre, ça désignait tous les félidés de manière générale. Ok. Ok. Ouais. Tigre, c'est le lion version 16e siècle. Ok. Ça, tout était un peu tigre. Et du coup, pourquoi ça a changé en jaguar? Ah, parce que c'est un mot natif, jaguar. Oui, ça, c'est un mot natif, ouais. Oui. C'est. Non. En fait, ça vient du toupi guarani. Ah, c'est les toupies! Ça vient de yawa. Ok. Le terme original, c'est yawa. Et en kalinago, on dit kaikushi. Et dans les petites Antilles. Et en fait, ça a été utilisé aussi pendant un temps par les Français, kaikushi. Okay. Kaikushi. C'est... Mais ça. Ouais. Le jaguar s'est imposé. Donc, la partie de chasse continue. Les chasseurs vous disent de faire attention aux griottis quand vous vous déplacez afin de rester bien discret. Les branchages. Ouais, je pense. Attends. Branchages. Bah, c'est qu'en fait, on marche sur les trucs, ça fait. Ouais, bah ouais. Et du coup, c'est ça le griottis. Oui, je pense, ouais. Enfin, vu qu'il dit que c'est pour rester discret, ça peut pas être un insecte, tu sais, où fais gaffe où tu marches les pieds, ouais, parce que ça. Tu peux. Donc, ouais, moi je dirais pareil. Vous partez là-dessus? Ouais. Ouais. Alors, c'est. Allez, je vous accorde un demi-point, parce qu'en fait, c'est le bruit que fait des objets qui s'entrechoquent. Par exemple, tu sais, ce que t'as dans les poches, ah, ou ce genre de choses. Mmh. Peut-être que ça pouvait être pris comme ça. Enfin, j'imagine que vous faites attention dans tous les cas. Ouais, ouais. Putain, on passe pas trop pour des cons depuis tout à l'heure quand même. Hein. Ça va, hein. Franchement. Ça aurait pu être pire. Hein. Puis même quand on se trompe, on regarde dans la bonne direction, donc ça va. Et nous. Je suis sûr qu'on leur apprend des trucs en leur disant, tu sais, le tigre, en réalité, chez les toupies, c'est le jaguar. Un jour, mon bon marin, on dira ça comme ça. Les mecs ultra pédants, tu sais. C'est ouais, le tigre. Le tigre. Le tigre, mais c'est en Asie, le tigre. Ah, enfin. Ah non, le jaguar, tu veux dire. Le tigre, ah, mais rien à voir. Des rayures, oui. Le tigre, enfin. Non, mais c'est pas grave, tu ne sais pas, Jonathan. T'inquiète pas. Alors, de retour sur la plage avec le gibier, vous participez aux activités de cuisine. Bah, on vous met à contribution pour écaler une tortue qui a été pêchée. Donc le marin expérimenté, qui s'est aperçu que vous avez un petit peu de mal avec à comprendre un peu tout, vous explique qu'il faut enlever l'écale de la tortue. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on enlève la carapace. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Et en c'est fait, un propre écale, sans bavure. C'est-à-dire carapace de tortue, mais aussi de crabe, enfin de n'importe quel animal qui a une carapace. Okay. C'est aussi la coque d'un fruit, etc. C'est un peu. C'est tout ce qui est dur et qui empêche de manger un truc. C'est ça. L'un des pêcheurs, espérant faire forte impression, vous montre la bécune qu'il a ramenée. La bécune qu'il a ramenée? Ce poisson, une bécune. Ah mais c'est un poisson qui... C'est un poisson, qui... ouais, c'est un pêcheur. Okay. La bécune. C'est... Attends, un poisson qui commence par un B. C'est un poisson carnassier. C'est un requin? Genre un mérou? Mais un mérou, c'est pas dans la rivière? Non. Non, c'est sur la côte. Je crois, hein. Non, mais je crois. Moi j'aurais dit un requin, je pense que si c'est un truc impressionnant, c'est un requin, mais. Ou un barracuda, ça commence par oui, un. Les barracuda, c'est pas aquatique, c'est pas de rivière le barracuda? C'est de tout. Ah non, non, non. Ah ouais? Ah ouais, il y a des barracuda marins. Barracuda. Okay. Je vais manger tout. Et barracuda. ça ne pas un peu particulier comme. Ouais, ça doit comme être comme natif, j'imagine. C'est ça. En fait, c'est pour ça que ça s'appelait bécune avant. Barracuda, ça vient du taïno. Barracutei, qui veut dire solitaire, mais qui ça, veut aussi dire le barracuda, parce que c'est un chasseur un peu solitaire. Alors maintenant que dans le 9e cycle on a un bateau, on peut aussi switcher sur des noms de poissons, hein, à tout moment. Hein. Putain, ça, j'avais pas du tout ça en tête pour le barracuda comme forme d'animal. Je crois que dans ma vie, j'ai pris. Ah putain, le brochet. Ah. Je crois que dans ma tête, le brochet c'est le barracuda. Parce que le barracuda il a une grosse bouche. Oui, il a une grosse boule. Ah oui, non, rien à voir. Ah, c'est celui qui bouffe les frères de Marin Junior. Les fils de Nemo. Les fils de Nemo. Ah. C'est pas un requin. C'est au tout début. Ah non, oui. Au tout début de Nemo, ils se font bouffer par un barracuda. C'est horrible. Donc en cuisine, le but, c'est de préparer de la viande en sauce. Pour cela, il vous est demandé de chapeler le gibier. Comment vous y prenez-vous? On le chlouk là comme ça, là. Comme une chaussette. Attends, mais ça a peut-être un lien avec la sauce. Alors peut-être le faire revenir dans sa graisse. Ah oui, chapeler, tu vas... Ouais, on va dire chapeler la viande. Le gibier est déjà. Ah ok, d'accord. Il est déjà chlouqué, ok. Déjà chlouqué. Non, on a... Excusez-moi, vous avez déjà chlouqué le gibier. Parce que là, on okay, ça marche. Peut pas travailler sinon. Non, parce qu'on avait un barracuda. Là. Enfin, non, vous connaissez pas ce mot, non? Parce que c'est local. C'est local, on connaît le dialecte des gens, quoi. Voilà.
qu'on s'intéresse aux autres cultures. On n'est pas là à se nettoyer les poules, quoi, vous voyez. J'en veux plus. Non, peut-être les découper en petits morceaux pour les faire revenir après, tu dois avoir raison, ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, oui, putain, trop bien. Chapeler, ça veut dire tailler en pièces, hacher ou mettre en morceaux. Et ça peut se dire aussi pendant un combat, genre par exemple être chapelé par un tigre. Ah, chapelet, tu vois, ouais, si t'as été chapelé par un tigre, genre tu reviens et t'es en morceaux, quoi. Ça a un rapport avec le chapelet, l'objet ? Aucune idée, je sais pas. J'ai juste pris des mots rigolos, j'ai fait une histoire avec. Vous devez ensuite mélanger la viande à du sarrasin. Mais à votre grande surprise, vous ne voyez pas de sac de blé noir autour de vous. Le marin expérimenté, voyant votre détresse, vous dit qu'il s'agit de prendre du gros mil, ou alors du... Enfin, il appelle ça aussi du blé de Turquie. Qu'est-ce que vous devez prendre ? Du gros mil. Ça doit être un... Ça doit être un genre d'épice. Non, pas du tout. Non, c'est je pense pas. C'est un truc. C'est du millet, peut-être, tout simplement. Tu pars sur millet ? Non, ça va pas être ça. Il me fait peur. Attends, ça a l'air trop simple. Ça peut pas validé. En vrai, j'ai pas d'autre idée. J'ai pas d'autre idée, donc. Vous cherchez du millet ? Je sais pas. C'est un énorme sac avec dedans du maïs. D'accord. De Turquie. Et de Turquie. Gros mil, ça veut dire du maïs. Mais oui, je suis d'accord, pourquoi de Turquie ? Mais le maïs, c'est bien américain, je dis pas une connerie. Bah ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui. Parce qu'en fait, tout ce qui est exotique, c'est soit de Turquie, soit d'Inde. Mais d'Inde, je trouvais que d'Inde, il y avait une logique parce qu'ils pensent que c'est l'Inde, mais la Turquie, ça n'a aucun sens. La Turquie, c'est en Inde. C'est... Bah oui, ouais, non, mais. Ah, putain. Des fois, c'est hyper. Ouais. Oh là 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 là, ça va trop loin à chaque fois. Hein. Non, c'est vraiment l'Islande en face de l'Afrique du Sud, quoi. C'est vraiment. Donc, du coup, ça se dit aussi sarrasin. Et en fait, sarrasin, ça désigne un peu toutes céréales exotiques. Oui, ça n'a aucun rapport. Et en fait, le mot maïs, bien sûr, est originaire du taïno maïs, qui est aussi parfois appelé en français maï au XVIIe siècle. Mais là, je cherchais d'autres synonymes qui étaient plus utilisés que maï. Donc, blé de Turquie, gros mil, etc. Okay. L'accompagnement est également constitué de fèves du Brésil. Qu'est-ce que c'est ? Des haricots ? Oui ! Ouais, bah ouais. Ouais, grave. Tout à fait. Du Brésil, c'est des haricots. Yes. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Ah, pardon, j'avais pas compris. Pourquoi ? Parce que le haricot est originaire d'Amérique. Donc, du coup, ouais. Les fèves, ils connaissent. Bah, du coup, ça vient d'Amérique, donc fève du Brésil. Oui, c'est vrai, mais du coup, haricot, c'est en fait, c'est un mot. Ah, le haricot, c'est un mot aztèque. Ok, d'accord, je savais pas. Ah, c'est aztèque. Ok, wow. Ah ouais ? C'est aztèque. Ayacotl. Ayacotl ? Ah putain. Ayacotl qui a donné haricot. Et enfin, il faut assaisonner tout ça avec du poivre. Mais là encore, en fait, vous voyez pas en fait le condiment qui est utilisé à notre époque. Ok. Qu'est-ce que vous devez prendre ? C'est juste des épices, peut-être le poivre, hein ? Ah merde. En contexte. Attends, je l'ai, attends. En anglais, paper, c'est à la fois du piment et du poivre. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste prendre du piment. C'est ça ? Putain, bien joué. Du piment. En fait, poivre, ça désigne n'importe quel piment, n'importe quel truc un peu épicé. Yes. C'est enfin l'heure de manger. Donc le capitaine vous invite à prendre place sur des boises. Sur quoi vous vous asseyez ? Sur des morceaux de bois ? Ouais, des espèces de troncs d'arbres à la con. Ouais, genre du bois flotté, quoi. Ça peut être, c'est n'importe quelle pièce de bois ou souche de bois, c'est des boises. Pour l'occasion, il y a une barrique de vin qui a été ramenée à terre. Elle est à côté de vous, mais pour l'ouvrir, on vous dit d'utiliser un gibelet. Qu'est-ce que c'est ? Un gibet ? Gibelet. Un gibelet. On dit quelque chose en plus, ce mot. Faut pas prendre un hache et défoncer le truc, et après on balance le tonneau devant tout le monde et tout le monde se noie dans le vin en se bourrant la gueule. Ou tu fais ça ? Ça y est, le MJ est en sortie, là, tu fais ça. Non, ça n'est pas. Non, je pense que c'est... Déjà qu'on a pas tué la poule tout à l'heure, c'est déjà pas mal. Non, là, je sais pas, honnêtement. Non. Alors, le gibelet, c'est exactement l'outil qui évite d'utiliser la hache et d'en foutre partout. C'est un petit forêt exprès pour percer les barriques. Ok, waouh, c'est une espèce de... Ouais, en fait, ça ressemble un peu à un tire-bouchon. Ah, c'est plutôt. Ça ressemble à un tire-bouchon. Ah, ouais, ok, je vois. Le capitaine vous dit d'y aller un peu doucement quand vous remplissez les verres, parce qu'il y a certains de ces hommes qui sont marqués d'un bon biberon. Et ils ont la vinasse facile. Ouais, ouais, ils sont... C'est ça. Ouais. Ça y va. J'aime bien l'expression « bon biberon ». Le marin expérimenté, il apprécie votre cuisine, mais trouve le plat saumâche.
Un peu fade. Fade, ouais. On n'a pas mis assez de poivre, je pense. Non, c'est l'inverse. Merde. C'est un peu salé. Ah ouais? Saumâche. Ça vient de saumure, je pense. Ok. Et ça veut dire, littéralement dire un peu salé. Bah, sinon, on lui remet du piment, du coup. Hein. Et oui, saumâtre. Et ouais. Bah oui, nous, comme des cons, on remet du sel, du coup. Il y a un des chasseurs qui est un peu qui s'est mis à l'écart. Il est pas venu manger avec vous et en fait il est pas parvenu à ramener du gibier malgré le fait qu'il fanfaronnait pas mal tout à l'heure. Le capitaine vous explique qu'il se dépite contre son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une angoisse. Ouais, il est ballonné quoi. Non, parce qu'il a pas il est deg en fait je pense. Parce qu'il a il a dit à tout le monde ouais moi nanani nanana je vais ramener plein de gibier tu vas voir mon gars et tout et en fait au final il a que dalle. Donc du coup il boude. Oui c'est ça. C'est ah ouais. Privé. Je veux dire se priver de manger par mauvaise humeur. Ah, c'est spécifique à manger, quoi. C'est. Tout à fait. D'accord. C'est contre son ventre. Dépité contre son ventre. Putain, mais c'est génial, parce que cette expression, il n'y a pas d'expression pour ça maintenant, donc. Bah ouais. Putain, dépité contre son ventre, c'est trop bien. Il y a un des hommes qui se propose d'animer la soirée. Il est dit fin ménestrier. À quoi vous vous attendez ? Et il est musicien. Ouais, tout à fait. Donc la fin du repas arrive, le capitaine vous dit qu'après ces lipées franches, il est temps de verser le rebiot pour bien aller dormir. Qu'est-ce que vous comprenez ? Après cette bonne boisson, on va se prendre un petit bijou. Ouais, ouais j'avais pensé pareil, mais je pense qu'il n'y a pas de bijou. Ah, quoique... Un petit rhum ? Bah ouais. Mais du coup, on boit pas parce que Elon, il nous a dit qu'il fallait pas boire l'alcool trop fort. Ah, mais moi, j'ai pas lu les bouquins et tout, donc moi, je t'en m'ouvre tout de suite. Tu vas goûter le punch au pain. Pain rôti. Du coup, t'es un peu déçu parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait de l'alcool, mais en fait, le rebiot, c'est juste ce qui reste de la boisson qui est distribuée entre tout le monde. Ah, yes. Donc c'est bien, voilà. On a bon, bien vu, mais du coup, on va prendre la suite, quoi. Mais un demi-point. Okay. Et les lipées franches, c'est un bon repas qui a rien coûté. Ah ouais, ok. Le lendemain, il y a un marin qui est grandement malade. Il y a le maître chirurgien qui vous demande de l'aider pour le ramener au navire. En chemin, il vous explique les symptômes relevés. Donc le malheureux a vu des bubes apparaître sur son corps, et afin de contrer la posthume, il faut médecinée vistement. Il a vu des bubons arriver sur son corps, et pour contrer la maladie, ouais. Il faut l'opérer rapidement. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est à peu près ça. Les bubes, c'est des voilà, c'est des pustules, des bubons. Ouais, ça ok. Putain, mais comme t'as tilté vite sur la phrase, il y avait plein de mots dedans, je process. Alors, putain, il est fort. La posthume, c'est l'abcès, donc ouais, si ça évite, voilà, t'avais compris en contexte, j'imagine. Oui. Voilà, spécifiquement, un apostume, c'est un abcès. Okay. Et médecine, voilà, ça c'est assez logique. Super, ben, je rajoute un point. Yes. Donc à bord, le médecin vous dit de porter l'homme dans un branle. Où l'emmenez-vous ? Et ce n'est pas une danse cette fois. Ah, il faut le mettre dans un hamac. Oui, oui, c'est un hamac. Oui, oui, carrément. C'est le branle-balle combat. Et ouais, yes. Et pourquoi on appelle ça un branle ? Parce que ça bouge dans le bateau. Pourquoi on n'appelle pas ça un hamac ? Parce que hamac, c'est un mot indigène. Eh oui. Et oui, en fait, hamac, ça vient du taïno, hamaca. Tout vient du taïno. On l'appelle aussi. De coton. Et en fait, il y a des versions Kalinago et Tupi Guarani qui ont été utilisées par les Français aussi. Donc, il y avait des moments où on appelait ça un akat ou alors un nini. Ok. Nini. C'est joli, nini. Mais ça, c'est ça Hamac qui a gagné. Ok. Ouais. Okay. Parce que Hamac, c'était plus international, c'était les Espagnols qui l'avaient propagé. Le médecin constate sur le blessé des chaleurs de foie et ébullition de sang se propager sur tout le corps. Qu'est-ce que vous voyez ? Chaleur de foie et ébullition. Et il a la fièvre. Il a chaud. Ouais. Et il a mal au ventre. Non, c'est pas facile. En fait, ces deux termes veulent dire des éruptions cutanées. Ah ouais, ok. Mais c'était pas évident. Ok. Ouais, mais du coup, il nous emmène chasser, il nous fait un cours de maladie. Il est sympa ce voyage dans le temps. Alors que nous, on leur crache à la gueule depuis tout à l'heure. C'est... Le médecin va devoir le saigner. Il vous demande de lui passer rapidement des plumasseaux de coton cru. Des sangsues ? Plumasseaux de coton cru. Là. Ouais, un scalpel, je sais pas, des plumasseaux, des plumes, du coton du non, mais de coton cru. Des cotons, c'est ça. Juste du coton. Des compresses. Des cotons-tiges de... Ok. Des compresses de coton. Et en fait, ça s'appelle plumasseau parce qu'apparemment, avant, c'était fait avec des plumes. Mais okay. Sinon, ouais, c'est bien des compresses de coton. Okay. Okay. Alors, il reste plus qu'au malade, à se reposer tranquillement. Vous apprenez que celui-ci a une réputation de charmeur auprès des femmes. Ah. Lorsque les marins reviennent sur le navire, ils rient de lui et se demandent si son mal ne va pas se répandre jusqu'à ses billons de grand coq. De quoi parle-t-il ? Ses couilles. Oui. Des billons de grand coq. Alors, tu peux dire juste billons, billons de grand coq, ça c'est. Sur la vitesse à laquelle tu l'as dit, Martin. Bah, c'est ses couilles.
Bien sûr. C'est évident. Moi, je pensais qu'il parlait de ses collègues. Mais, mais le pire, c'est que ça marche aussi, je te dis comme ça, mais bref. J'avoue. Donc, le navire reprend sa route, le capitaine souhaite échanger avec des autochtones. Il vous dit qu'il a quantité de traite de Rassad à bord. De quoi s'agit-il ? Quantité de traite de Rassad ? Ouais. Il a de trucs de briquet de broc pour échanger avec les natifs ? Ouais, plus précisément. Des brelots sans importance. Alors c'est, en fait, les termes à l'époque, c'est soit très précis, soit très vague. Ah merde, d'accord. Donc là, c'est très... de... on cherche du précis. Ok. De Rassad, je dirais, ouais. ça se rapproche de prendre une rasade. Ouais, j'avais pensé, c'est une boisson. Et donc, du coup, peut-être plutôt une boisson, ouais. L'eau de feu, du whisky. Non. Je mets un demi-point parce que c'est vraiment des breloques de briques et de broc. C'est en fait, pour, en l'occurrence, là, ça désigne spécifiquement des perles de verre alignées. Ok. Et apparemment, ça s'est changé à l'époque très bien. Après plusieurs jours en mer, votre navire passe proche de Kai, comme le mentionnent les marins. De quoi s'agit-il ? De Kai. Cayenne ? Oh. De Kai. Non, je sais pas. De Kai. De Kai. Peut-être la côte. C'est une ville, bah, soit c'est un nom, soit c'est un nom de lieu, ouais, soit c'est un nom générique. Mais. Alors ça se dit plus trop, enfin ça se dit plus en français. Par contre, en anglais, le terme c'est keys qui est resté. Keys. Keys. Comme une clé. Ouais, comme une clé. Oh ah. Passage, une embouchure ou un. On est toujours dans les Caraïbes. Ouais. C'est quoi les keys dans les Caraïbes? Ah, ou alors c'est un vent. C'est un vent cool pour le bateau. Non, moi je pense que c'est peut-être plutôt des récifs à la con, non ? T'es pas loin. C'est... Voilà, je vois le retourner. Vas-y. C'est, en fait, c'est ça, c'est des îlots rocheux. Alors, c'est pas des récifs, du coup, c'est vraiment des îlots. Donc, ça se dessine soit des îlots inhabités, soit des petits îlots spécifiques à la mer des Caraïbes. Okay. Donc, le mot est resté en anglais avec keys. Et à la base, en fait, ça vient du taïno, kayo, et pas du tout okay. De keys, clé en anglais. Mmh. Et du coup, ça ce qui veut dire petite île. Donc, vous trouvant de plus en plus maniga, voire mouche maniga, avec la navigation de son navire, le capitaine décide de passer une soirée avec vous. Mais de quoi vous êtes-il qualifié exactement ? De bon marin. On est maniga et on est quand même mouche maniga, quoi. Voilà. Vraiment juste des sacrés cons. Et du coup il veut se marrer avec nous, il fait un dîner de cons en fait, il nous invite. Mais grave. Eh hey, regarde, il fait des pyramides avec des cartes. Moi je pense que c'est positif. Je pense que c'est positif. Et le nom est étrange, donc je pense qu'il est en partie natif. Et par là-dessus, Maniga, je trouve ça fait pas très latin, je trouve. Mais alors après, je dirais qu'on fait bien notre travail. Alors c'est l'idée, tu l'as, c'est ça. En fait, maniga, ça veut dire adroit. Okay. Et mouche maniga, alors c'est pas du tout d'origine native, c'est d'origine espagnole. En fait, le mouche, apparemment, ça se dit énormément en français à l'époque okay. Pour dire c'est l'équivalent de mucho, mais francisé. Donc wow. Pour être un peu in à l'époque, tu disais mouche pour dire trait. Et maniga, ça, c'est européen aussi. Ouais, ça, en fait, ça vient de manigant, qui est, je crois, un métier. Okay. Genre, c'est l'équivalent d'un métier d'artisanat, je sais plus ce que c'est exactement. Le capitaine vous propose du pétain en rôle. Est-ce que vous acceptez ? Il nous propose du pétain. Bah oui, on accepte tout de suite, on serre la main. En rôle, c'est ça ? Ouais. Je sais pas, c'est un espèce de. C'est du calva, peut-être ? Je pense que c'est une boisson. Putain, j'ai jamais entendu quelque chose qui même qui s'en rapprochait, quoi. Du pétain. Alors, c'est écrit P-E, alors c'est pas comme pétain. C'est pas comme le maréchal. P-E-T-U-N, pétain. Ou peut-être que c'est un peu, tu sais, vu que là, c'est un peu un dialecte genre campagnard, peut-être que c'est un peu genre comme les pétous, genre les flageolets, tu vois. Ah, genre il nous propose un plat de paillot. Ouais. Ça serait énorme si c'est ça. On accepte. Ah, merci beaucoup. Et du coup, il vous donne du tabac. Ah, il vous donne de fumer. Okay. En fait, genre pétard, un pétard. Ouais, non, c'est en fait, je sais pas si l'origine. Ce serait vraiment intéressant d'essayer de voir si c'est à la même origine. Mais pétain, en fait, c'est un mot d'origine Tupi-Guarani. Okay. Ça veut dire tabac. Et en fait, le mot tabac, il apparaît dans la langue française courante à partir de 1658. Okay. Et avant, on disait pétain. Et tabac, ça vient de quoi, du coup ? Et tabac, du coup, ça vient du taïno. Ok. Et en le, fait, à chaque le fois, mot c'est tabac. Il y a plusieurs mots natifs de peuplades différentes et on en finit par en choisir un. Qui s'impose. Par consensus, de... Et en fait, en rôle, c'est du tabac en feuille, en fait, okay. Les rôles de tabac. C'est un cigare, en fait. C'est un cigare, c'est exactement un cigare, tout à fait. Cool. La nuit, donc, sur le pont du navire, tout en pétunant, le capitaine en profite pour regarder le ciel nocturne. Il vous dit de suivre son indice pour apercevoir la poussinière. Alors, il est en train de fumer, il pétune, il fume, je pense. Ouais. Et il nous dit de suivre son index pour qu'on trouve la pétinette, la petite ours. La poussinière. Oh, presque. La grande du coup. Presque. L'étoile polaire. C'est une constellation. Cassiopée. Ah.
J'en connais que 3. Orion. Non. Mais t'y es. En vrai, je vais te mettre le point parce que c'est. C'est déjà mieux. C'est une constellation. C'est les Pléiades. Ok, wow. Ah, yes. Ok, c'est précis. Ouais, la poussinière. Je saurais même pas dire à quoi ça ressemble les Pléiades en réalité dans le ciel. Eh bien, moi non plus. Le capitaine vous fait aussi part de cette inquiétude. D'abord, c'est un instinct qu'on trouve en le jugeant quelque peu échard. Il raconte que le marin expérimenté l'a déjà picoté en ses discours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je commence à fatiguer. Alors, en gros, on est sur la fin. En gros, y a des marins qui sont pas contents et le marin a un peu. Le discours. Il lui a un peu fait un discours de vachard un peu. Alors, qu'on trouvait. Il y a des marins qui trouvent qu'il est un peu dur, qui trouvent qu'il est un peu sévère, quoi. Et tu peux refaire la phrase ? À bord, certains qu'on trouve. On va faire étape par étape. Ouais, certains marins qu'on trouve. Du verbe qu'on trouvait. Ils passaient à côté, genre, ils... Moi, je pense que c'est en rapport avec l'autorité. Ils sont médisants, ils l'aiment ouais, pas. Ouais. Ils l'aiment pas. Ouais, ils parlent en son dos. Encore plus précis que ça. Pour le coup, c'est vraiment pas évident, mais l'idée, c'est ça. C'est inventer des choses pour tromper. En fait, vraiment, littéralement, sur Internet, tout le monde qu'on trouve, tu vois. C'est inventer des faussetés. Ouais, c'est des fake news, quoi, en fait. Donc, ils le jugent en le jugeant quelque peu échard. Ben, échard un peu con, du coup, peut-être, juste. Échard, c'est avare. Ok. Putain, j'aurais pas dû trouver. Ouais. Ah non. On augmente la difficulté. Ouais, là, Il raconte que le marin expérimenté l'a déjà picoté en ses discours. Donc, picoté il en a déjà titillé, quoi. Bah, il l'a déjà cherché, quoi. Il lui a cherché la merde. Ouais. De toute façon, il va crever avec sa saignée. Ouais. On raconte que l'homme a été écolier de la Samaritaine et qu'il a fait une partie de sa vie dans une troupe de picoreurs. Il a été écolier dans une école qui s'appelle la Samaritaine, j'imagine. Et il a été, il a fait du théâtre dans une troupe. Ah ouais, pas du tout. Du tout. Dommage. Ah. Il avait l'air bluffé. Je me suis vraiment dit yes, j'ai réussi. Bah ouais, j'étais okay. Là, mais putain. Donc, non, parce que, écolier de Samaritaine. Ce qu'on a dit picorer, c'était genre du coup attaquer des gens, tu vois, genre leur chercher la merde. Donc côté. Peut-être qu'il était dans un. Côté, attention. Ah merde. Et un picoreur. Là, on cherche un picoreur. Ah, du coup, moi, dans ma tête, il était dans un gang, tu vois. c'est ça ? Oui, c'est ça ? Ah ouais ? Picoreur, une troupe de picoreurs, c'est genre des pillards. Ah, c'est... il a été pillard ! Waouh ! Et du coup, avoir été à l'école de la Samaritaine, enfin, avoir été écolier de la Samaritaine, c'est ça veut dire... Pas du tout, c'est complètement l'inverse. C'est genre avoir été une racaille ou un voleur. Et... En fait, la Samaritaine, c'était le repère des voleurs et des escrocs à Paris. Ok, et, du coup, c'est une expression. Ça va de très loin avec le bon Samaritain. C'est... Ouais, on n'a pas du tout la même ref. Ok, ah, et du coup, on l'a pas... Bon, moi, je l'ai pas compris, j'étais là-bas. Ah, vous êtes un mec bien. Cette troupe de théâtre, vraiment... Donc, il en reste deux. Et après, on va s'arrêter ici, à moins que je raccourcisse et qu'il en reste qu'un. Qu'en dites-vous ? Moi, deux, ça me va. Hein. Ouais, donc, bah, allez, deux. Ça dépend de jeu. <Ouais. rire> Bah, non, mais il est déjà 22h30, donc t'inquiète, deux, ça va. Non, t'inquiète. Vous arrivez sur une nouvelle île. Le capitaine vous annonce que vous jetterez l'ancre près d'une sawane. De quoi s'agit-il ? Près d'une savane, d'un lagon ? C'est une savane et il a un petit accent. C'est une savane, exactement. Il y a des savanes dans les Caraïbes ? Et putain, pourquoi c'est... d'ailleurs il y a des savanes dans les Caraïbes ? C'était juste une blague à la Hubert Bonisseur de la Batte à la base. Il y a des savanes dans les Caraïbes. Alors, savane, bon, j'ai un peu triché parce que à la base, en fait, la plupart du temps on trouve savane avec un V. Mais il y a certains écrits où savane s'écrit sawane, O-U-A-N-E. Okay. Et du coup, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui disaient Sawan en l'ayant lu comme ça, donc c'est assez rigolo d'y penser. Et du coup, Sawan, en fait, ça vient des Caraïbes, ça vient de la langue Taïno, Sabana. Ah ouais ? En fait, t'as énormément de biotopes différents dans les Caraïbes, et notamment t'as des savanes. Donc le mot est originaire de là. Voilà, et enfin, vous débarquez, vous montez un campement et préparez un boucan après une nouvelle partie de chasse. Qu'est-ce que c'est ? C'est un repas, c'est des boucaniers, c'est un barbecue, et c'est natif. Tout à fait, t'as l'origine de quel peuple c'est les Taïno encore, non ? Le quel mot ? Le boucan ? Non. Non, ah, c'est merde. Barbecue. C'est barbecue, okay. Mais pardon, excuse-moi, pardon, ouais. Et en fait, le boucan, mot par contre, c'est français, du coup. Alors, boucan, c'est français, et en fait, ça vient d'un... des linguistes qui ont réussi à remettre l'origine. Et ça provient d'un terme qui est Tupi-Guarani, et qui est Mokwae. Et en fait, ça a dû être mal transcrit par les Français, et c'est devenu boucan avec le temps. Ok. Et du coup, c'est l'équivalent du barbacoa taïno qui a donné barbecue. Et toupie à la base. Oui, c'est pour ça, il y a plein de mots qui viennent de là. Et pareil, dans les petites Antilles, on disait ariblé, donc en kalinago, pour dire ce truc. Donc c'est à la fois une méthode de préparation de la nourriture, un objet,
et un bâtiment. Donc c'est soit une petite cabane, soit un grill qui est destiné à cuisiner et fumer la viande pour éventuellement la sécher et ainsi la conserver plus longtemps. D'où le mot boucanier, parce que c'est très pratique d'avoir de la viande boucanée quand t'es en mer. Okay. Ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et voilà, du coup, notre voyage s'achève ici. On retourne au 19e siècle. Et bien, du coup, c'était pas mal. Hein. Vous avez, je pense, un bon score. J'ai compté à peu près. Ça valait le coup de payer aussi cher ces billets pour faire chier des gens dans le passé. Il n'y a plus d'avenir, mais le passé est intéressant. Voilà, comme vous avez vu, il n'y a pas de fin, en fait. Je ne savais pas du tout comment finir cette histoire. On avait un temps limité dans le passé, et du coup, on se téléporte dans notre présent. Ça va vous réveiller, maintenant. Il y a Elon qui nous accueille. Il demande si ça s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous on avez a combien appris, de points du coup. Alors, il y avait. J'ai pas. Ah merde, t'as pas noté. J'ai compté 29 points, mais après, vu qu'il y a des points bonus et tout, en fait, il faudrait que je revoie le nombre de questions, mais je pense que vous avez fait la moitié. À mon avis, vous avez très bien réussi. Ouais. Génial. Cool, c'était trop bien, franchement. Franchement, l'idée est top. L'idée, elle est ouf. Grave. Refaire, franchement. Il y a d'autres mots, je trouve qu'il peut tout placer. Genre, par exemple, il y en a un, c'est. Imagine, t'as un prêtre qui arrive, il te dit, je vais te sortir le bouquin. Et il va te lire la Bible. Mais, tu vois, genre, dans mon histoire, ça passait pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc, c'est ça, c'est vraiment, il va te lire la Bible. La Bible. C'est pas la Bible. Il est vraiment vénère, il dit, je vais te sortir le bouquin. Il va te défoncer la gueule. C'est un prêtre. Il te fait un prêche. Il va te lancer la Bible sur la gueule. Et toi, normalement, t'es pas bien. Il te lance une malédiction. Il va t'excommunier. Non. Et je vois pas. C'est le démon. Le bouquin, c'est le démon. Bouquin. Ouais, parce que le livre, c'est la Bible, donc si tu dis bouquin, c'est démon. Je pense, à mon avis, c'est un raccourci peut-être de bouquetin ou je sais pas. Vu qu'il est dans les mots bonus. Mais bouquin, ouais, c'est assez rigolo. Okay. Voilà. Merci. Trop cool. Merci pour cette aventure incroyable. Merci. Jules, tu veux rentrer travailler, je suppose. Ouais, là, faut que je m'y mette un peu. Et bah, en tout cas, c'est gentil à toi d'être passé malgré tes impératifs du moment. C'est toujours cool de vous voir. Bah, grave, carrément. On espère te revoir vite également. Merci Nico, du coup, pour ton petit jeu très chouette. Et surtout, on remercie les auditrices et les auditeurs qui sont très nombreux et qui vont bien sûr partager cet épisode, le liker et dire que vous êtes incroyables en commentaire, quoi. En tout cas, on espère. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt !